Et 6h03, j'ai une tête de déterré, je me suis couchée vers 1h. Je me suis dit, bah, allez, je me couche parce que ça sert à rien de me forcer à ranger alors que je suis fatiguée. Au mieux, me lever tôt le lendemain, un petit peu reposée, que je trouve plus les mots. Bref, là, il faut que je range mon appart à fond. J'ai encore la litière à faire, ranger, nettoyer la cuisine. Ma valise, je sais même pas, je l'ai terminée. Je pense que je l'ai terminée, mais j'en suis même pas sûre. Et vas-y, j'ai plus d'énergie. J'ai mis le réveil à 5h45. J'ai traîné un peu, mais là, il faut que je me lève, il faut que je me douche et tout. Oh, non, faut que je fasse la litière avant de me doucher. Oh, aïe, 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 aïe. Et surtout pour aller dans une destination de rêve, vous allez voir. Et 6h28, je viens de terminer la vaisselle et là j'arrive dans le salon, je vois qu'il me reste un bol avec la sauce dedans que j'ai mangé. Hier j'ai mangé du pain et la sauce, de la viande. Mais regardez-moi cette petite beauté. Mais coucou ma beauté. Mais comment c'est possible? Comment je peux être bénie à ce point-là pour avoir un chat pareil aussi beau? Comment c'est possible? Il est trop beau, il est trop beau. Comment c'est possible d'avoir un chat si merveilleux? Une petite bouille d'amour pareil. Comment c'est possible? Ma petite bouboule. Il va trop manquer. Je vous jure, ça me fait trop de la peine de le quitter. Ça me fait vraiment mal au cœur. Et il le sent clairement. Mon petit bébé. Là, je me pose une dizaine de minutes, le temps de boire mon café, de me poser un peu. Ensuite, j'attaque le salon et je boucle ma valise. Et ensuite, il faut que je me lave. Et là, la litière, comme d'hab, je repousse. Donc, je vais juste la vider et remettre de la litière dedans sans la laver. Et ensuite, je dois absolument jeter la poubelle. La poubelle, mais... Il faut que je prépare les gamelles de bambou. Je pars. 5 jours. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Il faut que je prépare les trucs. Bon, ma mère, je lui dirais que la pâte, elle est dans le tiroir et tout, mais... L'eau. Faut que je lui mette assez d'eau. Voilà, il me reste autre chose. C'est, je pars avec mon bruit horrible de valise. Attention à la marche en sortant du train. Tout s'est passé sans encombre. Ils ont pris direct mes colis. J'ai eu de la chance cette fois-ci. C'est trop bizarre d'être au centre commercial tôt le matin comme ça. Il n'y a personne, c'est génial. C'est génial quand on veut pas faire de shopping, quoi. Mais j'ai rarement vu la Défense avec si peu de monde. J'ai jamais vu la Défense avec si peu de monde. Parce que j'ai chaud. Il faut que j'arrête de marcher aussi vite. Parce que je suis absolument pas en retard. Et où je vous avais dit hier... Même à l'extérieur, il n'y a personne. C'est tellement plaisant. Bon, je préfère porter ma valise que la rouler là parce qu'elle fait tellement de bruit. Je trouve ça horrible. Elle est toute légère. En fait, là, mon sac à dos, il est léger. Ma valise, elle est légère pour 5 jours. Je m'inquiète un peu parce que je me dis, ça veut dire que j'ai oublié beaucoup de choses. Mais peut-être pas. Les nuages, ils avancent tellement vite. J'espère qu'on ira, il y aura le ciel aussi dégagé. Ça fait du bien, regardez. C'était pas prévu du tout qu'il fasse beau comme ça. Il y a déjà quelqu'un qui joue du piano de bon matin. Ah, j'attends mon petit RER avec mes cheveux tout gras. Et il y a des gens qui me critiquent encore sur les cheveux gras. Aïe aïe aïe. Ça me fait de la peine. Vous savez quand il y a un SDF qui demande des sous et que bah, j'ai pas de pièces du tout. Franchement, je me dis on devrait toujours se balader avec des pièces. Mais moi toutes mes pièces je les mets dans une tirelire. Elle est partie fumer, fumar matar. Et là, on a Gare du Nord. Donc j'étais, oh, elle est nulle la gare, il n'y a pas des boutiques bien. Enfin, en haut. Ah, ça me stresse mes cheveux gras, bref, on s'en fout. Elle dit, bah, Gare de Lyon, c'est pas mieux. Hein. Je dis, bah, Gare de Lyon, il y a la durée. Et là, j'arrive, il y a quoi? Pierre Hermé. Donc je pense que je vais tester. Je pense que je me prendrai des macarons. Pierre Hermé, ah mais attendez, parce qu'il y en a, ça se trouve, c'est des recettes de saison, là.
Mais je me dis, je prendrai ça pour mon anniversaire parce que à 2,80 le macaron, ça fait mal au cul un peu. Et je me dis, en plus là, j'ai la nausée. J'ai un peu la nausée. Donc, ah oui, vous ne connaissez pas la destination, je vais vous donner un indice. Notre groupe WhatsApp, il s'appelle la Nouvelle Côte d'Azur. Ça ne va absolument pas vous aider. Oh, le ciel, il est trop, trop beau. J'aime trop quand il est comme ça. Excuse-moi. Excuse-moi, t'as pas une cigarette? Non. Il fait trop chaud dans le train. Moi, je vais commencer mon montage. Et là, le train, il part dans 7 minutes. On a 2 heures de train? 2h22, je crois. 2h22. Oh, 2h22, c'est un beau chiffre. Un beau nombre. Ah, j'ai oublié de prendre les lingettes du chorizo, de la mortadelle. Elle a pris pour moi. Et elle a pris des donuts. Elle s'est fait des sandwichs. Un sandwich à Bustin, elle m'a dit, quand j'ai coupé. Je crois que j'ai oublié mon téléphone. Je mange ma mortadelle. J'aurais dû te demander plein de tranches. Ma soeur, c'est la pro pour amener de la nourriture partout. Des fois, elle a des sandwichs dans son sac. Et je suis vraiment envie de passer à des glaces. C'est moi aussi, je pense que ça. J'ai le visage tout gonflé. Donc, je pense que c'est ça y est, ça m'a ouvert l'appétit. Je peux manger ton sandwich? Il est ultra chaud. Il est trop chaud dans le monde. Oh, tu avais un peu la nausée tout à l'heure. Dans 1h02. Oh, j'ai les lèvres toutes sèches, pourtant j'ai bien bu. J'ai pris ma bouteille de salvetta. Un petit peu de soleil sur le chemin, mais sur place, là, regardez, il y a plein de nuages déjà. J'ai voulu aller faire pipi, il n'y a aucune toilette ouverte, ils ont tout fermé, on ne sait pas pourquoi. Il y a une dame qui a fait toutes les toilettes des wagons, de tous les wagons, enfin de tous les wagons, de tout le train, parce que tous les wagons ils sont liés. Bah oui, donc elle a fait tous les wagons quoi, et tout est fermé. Je dis heureusement qu'on arrive dans pas longtemps, mais nous on va manger directement quand on arrive, donc j'espère qu'il y aura des toilettes où on va. Parce que c'est même pas sûr. Parce que là, vous vous dites, bah, si elle va au resto, forcément, il y aura des toilettes. Mais on va pas au resto. On va manger dehors, mais pas au resto. C'est trop beau dehors. Et je me dis, il y en a qui doivent penser quoi. Je sais plus si j'en ai parlé, mais vu que mes copines, elles pensent que je fais une surprise, et ben, je précise que c'est pas genre une destination de rêve ou quoi que ce soit, c'est juste que j'ai voulu cacher la destination. Parce que j'avais envie, parce que moi j'aime les surprises. Et comment dire du coup, quand vous allez découvrir la destination, je me dis, il y en a trop qui vont être déçus, qui pensent que je pars à, je sais pas, moi. Maintenant je peux pas donner d'exemple parce qu'après ça donne des indications. Il y a jamais personne qui vient sur le quai. Voilà, Soussou. Regardez ça, ouais, c'est la salle de sport du frère de Soussou. Attendez, elle ouvre? Elle ouvre bientôt? Elle ouvre mi-janvier. Mi-janvier, ok. Voilà. Et nous, on va aller voir le truc en chantier. Et franchement, heureusement que vous aviez dit en plus. Droite à gauche. Oh là 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 là. C'est pas parce que t'es toute seule et célibataire que t'as, mais c'est que t'as plus de temps. En fait, c'est depuis qu'il y a eu la guerre en Ukraine, c'est devenu tellement cher. Thank you.
manchots ils sont tellement gras, ça me dégoûte. Là, on est chez Soussou. Je vous ferai un room tour plus tard. C'est tout mignon. Maintenant, on va manger. On va manger. Je vais faire pipi avant quand même. Les filles, c'est pas obligé. Ah, trop bien. Ah, franchement. Oh, on a le matos. Ouais, on a le matos. En plus, t'as une maison, on va pouvoir crier. On va crier, ouais. En plus, on a les mêmes goûts. Le soir, je fais l'aspirateur à minuit, je m'en fous. Ah, trop bien. Alors, on va une battle de chant. Ouais. ABM, l'ancien, le nouveau Babou. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est du chocolat blanc avant. Cerise chocolat blanc, maintenant ils ont fait. Je suis déçue d'eux. Regardez, on est à un magasin. Ça s'appelle... Comment ça s'appelle ce magasin, Soussou? Magic Dépôt. Magic Dépôt. Il y a plein de choses. Il y a trop de choses même. Acheter plusieurs. Ah ouais, il est doux. Non mais. Mais moi je suis trop une radine. 15 euros, elle a dit c'est pas cher 15 euros. Elle a... T'en as pris combien? J'en ai pris 5. C'est comme il y avait 68 euros. On parlait en plus justement nous des friperies et tout. Regardez ma soeur, en fait elle les courses, la bouffe, elle c'est Disneyland pour elle. Je me suis calmée là. Non, on t'a pas demandé si tu t'étais calmée, on a dit c'est Disneyland. Alors Leïla d'ailleurs je vais te parler, parce que je vois tes commentaires passer sur TikTok, mais c'est le mauvais moment. Attends, il y a un monsieur qui... Il y a un monsieur qui passe, je cache la tête. C'est le mauvais moment parce que du coup il y a trop de commentaires et, tes commentaires disparaissent. Donc voilà, elle est fan de toi Leïla. Elle dit, je suis contente, j'ai vu ma star. Ta sœur est gris. Regarde, Dr Pepper Cherry. 1,53€, je prends pas. Prochain. Et sauce relish, 5€. Mais non, mais c'est pas bon. Soula, elle est en train de parler à un mec. Et ma sœur dit, ah, mais elle doit le connaître. Je dis, mais... T'es pas une bonne copine toi, on sait pas si elle le connaît. De toute façon, il faut aller la sauver. Mais elle est trop gentille, Soussou. En fait, Soussou, elle est trop gentille. Et elle sait pas dire non. Et bah, elle est trop gentille, tout court. Et je me dis, on vaut mieux y aller au cas où, quand même. Donc là, elle a l'air de le connaître en venant plus près. Mais je me suis dit, si on va à côté d'elle, comme ça, elle nous lance des regards, quoi. Alors, ça fait deux fois qu'elle demande, Leïla, j'espère que tu vas entendre ça. Pourquoi aigri? T'es sur un banc avec Soussou. Attends, ma soeur qui fait les courses. Exactement. Madame, sortez ce que vous avez mis dans la poche. C'est ça, mais c'est réel. Ah, il est ultra cher. C'est ultra cher. C'est plus cher que réel ma maison. Oui, même les chips, elles sont ultra chères, c'est abusé. Regardez, on a rempli le coffre. Le coffre est rempli. Comment c'est possible? On vient pour 4 jours, 5 jours. On arrive à dépenser comme des folles. Il est 23h30, on est couché. Regardez le lit. On a vraiment les mêmes goûts avec Soussou. Oh là là, la gueule que j'ai, je suis trop fatiguée. Oh, c'est gonflé. Qu'est-ce que... Je sais même plus ce que je voulais dire. Tu veux dire quelque chose? Non, j'allais dire ma chérie ou je sais pas quoi, mais après ils ont reconnu la voix. Je suis dégoûtée, tout à l'heure on avait fini de manger et tout, et après quand on a décidé d'aller se coucher, genre j'étais persuadée que j'allais voir Bambou en haut. Oh, ça m'a fait trop de la peine de me dire qu'il sera pas là. Je sais pas. D'habitude il manque pas autant, mais là il était tellement câlin et je crois qu'il était triste que je parte, alors ça me fait de la paix. Mais bon, je suis contente d'être ici. Mon petit bébé d'arbre. Eh bien du coup je vous ai même pas dit où on était. Ben, je vous montrerai demain où on est. Ça se trouve il y en a qui ont trouvé. J'ai fait exprès de pas vous montrer ce qu'on a mangé à midi pour pas que vous deviniez où on est. Mais du coup le vlog d'aujourd'hui il sera tout court. Parce que... Bah après voilà, c'est le premier jour et tout, donc j'allais pas filmer tout le temps, et puis on était occupé à rattraper le temps. Ça fait combien de temps que j'avais pas vu Soussou? Ça faisait un an je crois. Non, moins. On l'a vu il y a quelques mois. C'était avant. Avant ça on l'a pas vu depuis le Covid. Mais attends, là on l'a vu quand déjà? Elle est venue chez moi, je pensais que c'était l'année dernière. Non, je pense que c'est cette année. Ah ouais, le temps il passe vite. C'est un peu avant ma rupture. Ah oui. Ouais, donc c'est fait, ouais. D'accord. Demain, qu'est-ce qu'on a prévu? Demain, on va aller à la friperie.
Et on a déjà beaucoup dépensé. Non, mais là, faut qu'on se calme parce que là, je. Ouais, bon, après, on va pas faire des courses tous les jours. Genre, là, on a fait les courses et après, on a payé avec ma sœur et c'était trop marrant parce que, en fait, on savait pas comment s'organiser parce que déjà, Soso voulait payer les courses. Mais nous, on aime bien faire des courses avec ma sœur donc on allait pas faire payer nos courses et puis hop, on vient chez elle. Donc, on allait payer quand même. et en plus, Soso, en fait, c'est une fille, mais elle est trop gentille. Et pff, clairement, je sais pas comment dire ça autrement, mais elle se fait toujours avoir parce que. Elle est ultra généreuse, ultra gentille et tout. Et ben les gens, ils profitent d'elle. Et ben ça fait de la peine quand même. Enfin, de toute façon, ça, j'ai toujours dit hein, que les gens gentils, si les gens ils peuvent profiter, ils vont pas se gêner. Hein. Ils vont pas se dire, oh ben non, elle est trop gentille, je vais pas lui faire ça. Enfin bref. Et du coup, ben, quand on arrive à la caisse, on savait pas, on était comme ça, tout était en pagaille. Donc on a mis les trucs sur le tapis. Et on a payé chacune notre tour. Et on a payé 45 euros chacune. Bon, après, ma soeur, elle avait 2 euros de promotion. Mais c'était 43 au final. Mais trop drôle. Mais c'est trop marrant quand même. Dire, quoi. Je vais casser ses dents. Je vais casser ses dents. C'est quand même fou qu'on ait réussi à diviser les courses en deux et payer le même montant quand même, non? Ouais, mais je trouve ça hallucinant. Je joue au loto, hein. Vous savez, j'ai envie de faire quoi? De mettre mes pieds comme ça, bam! Comme ça tombe. En plus, le lit, il est ultra haut. Bon, je sais pas si on verra. Bon, de toute façon, je vous ferai un room tour demain. Comme ça, vous verrez où on est. Je vous montrerai un petit peu la ville, si on peut appeler ça une ville. Et voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai toujours mes cheveux gras, je me suis pas lavée ce soir, j'avais trop la flemme. T'écoutes la meuf. Mais toi, t'es sale de partout. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je suis dégoûtée. Le seul jour. Maintenant, j'ai déjà dû poster un long vlogmas. Mais là, le plus long que j'ai posté, je pense, 1h30, il faut que ce soit le jour où je suis dans le trou du cul du monde et que je capte rien. Et du coup, je prenais la connexion de Soso. J'ai essayé à Auchan et tout, ça marchait pas. Et après, on voulait aller au McDo. Et on arrive à. Il était 20h30 quand on arrive au McDo. Après avoir fait des courses et tout. Et elles m'ont dit, ah, mais c'est pas grave, on va prendre un truc dedans. Et je me dis, ça sert à rien, on va perdre du temps, juste pour que le vlog soit posté en temps et en heure. Donc je veux bien donner mon maximum pour les vlogs et poster tous les jours. Et là, je l'ai posté. C'est juste que la connexion n'était pas, suivait pas. Et je me dis, ouais, j'ai fait ma part. Enfin, je trouve ça ultra dommage de perdre du temps au McDo juste pour charger la vidéo. Et je me dis, voilà. J'arrête pas de dire que le temps est précieux. Et là, parce qu'à chaque fois, je dis à ma sœur, je dis, le temps, c'est de l'argent. Mais, enfin, elle s'en foutait, ma sœur et Soso. Mais moi, je me dis que c'est dommage de gâcher du temps pour ça, quoi. Et du coup, bon, j'ai quand même réussi à la poster avant minuit, je suis contente. J'ai bougé le téléphone, parce qu'en fait, je prenais la connexion de Soso. Parce que moi, avec SFR, je capte mal ici. Et du coup, j'ai fait toute la maison. J'arrêtais pas de bouger d'endroit pour trouver l'endroit où ça capte mieux. Et à la fin, j'ai trouvé qu'en haut, ça captait mieux. Bref. Mais du coup, bon là, vu que le vlog il sera plus court, elle sera postée demain. Assez tôt, je pense. Je vais faire le montage demain matin parce que là, je veux me coucher avant minuit. Je suis trop fatiguée. Et voilà. Donc, ben, je vous dis à demain pour un nouveau vlogmas. Bonne nuit, Kelly.